important programme immigration américain, côté président Joe Biden, en fait, a fait annonce pour lui parler de question comment l'a fait pour lui freiner quantité de monde qui a besoin de refuge et ou qui a besoin d'asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et Gomon qui dit OK, oui, bon, bonjour. Donc, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, en fait, c'est une mesure que la panne, c'est ça, il y a un décret présidentiel que le président signe, justement, pour lui parler de, pour lui dire qui j'en que le pouvoir faire pour lui diminuer la quantité de monde qui a demandé asile sous frontière. Et décision, ça, il prend tout dans un moment côté nous à quelques mois des élections présidentielles et peut-être même à quelques mois même de nomination candidat au parti républicain on a parlé ancien président Donald Trump et puis président sortant et Joe Biden pour qui parle de parti ça dans l'élection présidentielle et américaine. Alors dans ce sens qui ça que lié normalement c'est que d'après décret et eh bien que toute la presse rapporté et eh bien bon le président a décidé et il a contrôlé quantité de monde qui a demandé asile sur frontière et on nombre depuis où c'est ça où les entrées illégales, ou passer par la route, ou bien passer en bas fil, ou passer au travers des rivières, et bien on entre, et puis autorité ou mettez mes sous, ou bien parfois même une porte est trop allée, et bien laisse ça autorité ou mettez mes sous, et bien bon, bon chiffre depuis où ils viennent chiffre ça. Eh bien, normalement, on pas capable, et on pas capable d'aller au-delà du chiffre-là, et tout le monde qui t'a venu au-delà du chiffre-là, eh bien, il y a pu retourner, soit retourner au Mexique, ou bien, il voyo, et dans le pays d'origine, quand on est sorti. Donc, en fait, ces décisions sont faites pour un pile monde, observateurs sont en gros décision, mais les militants qui défendent les immigrants, ils ne sont pas trop contents avec elles, parce qu'ils disent que refouler les immigrants au Mexique, ça c'est une, mais leur refouler les immigrants dans le pays d'origine, et parfois, on a couru pour crimes qui sont dans le pays, nous ne parlons même pas de la misère, même, mais problème économique, ça c'est une, mais problème criminalité, ou bien encore, et problème politique, tout, et instabilité politique qui est dans le pays, monde, ça, et bien, ils viennent chercher un côté que quelqu'un. Côté le cap, il y a un repos d'esprit. Et bien voilà que mon salaire est venu ou refouler la Cali avec tout ça, ça impliqué là-dedans. Et donc c'est ça que mes salaires, c'est justement contrôlé. Et nous connaissons que l'ancien président républicain et Donald Trump, qui a un problème avec la justice lui-même, eh bien, campagne, il y a en fait le sujet immigration, ou bien immigration, c'est un thème. Que li gen nan campagne lien et lui-même li déjà fait contre position déjà il a dit que moun sa qui vient sous frontière qui vient demander asile ou bien qui vient entrer aux États-Unis c'est des criminels sont c'est le monde qui dans trafic drogue sont c'est le monde qui dans toute bagaille qui négatif la caillo et bien pays la gueo et bien pour venir aux États-Unis donc c'est plus et misère c'est plus et crime que qui pas augmenter et aux États-Unis mais c'est des bagages qui pas démontré qui pas prouvé. Mais c'est des déclarations que son leader qui fait lui, et bien bon, et rédition pour prouver que ça, pour président, ancien président prouver que ça le dit assez salier. Mais en principe, dans les années 4, et dans l'année 2015, quand c'était immigrant qui était convenu vin sur frontière, vin demander asile, il était sorti surtout en Amérique latine, non? C'est tout. Mais depuis 2020, 2021, 2022, et même m'a parlé à 2024 là, eh bien, immigrants, ça a changé, gon pattern, ça a dit gon tendance qui changeait, ça veut dire qu'il changeait, il passait de immigrants qui ont sorti. Non seulement immigrants sorti en Amérique latine, non, avec l'Amérique du Sud, mais aussi sorti tout, et dans quelques pays européens, par exemple en Ukraine, et ils sont sortis tout ce continent asiatique là, par exemple en Chine, ils sont sortis en Afrique, que ce soit Afrique de l'Ouest ou d'autres pays, et bien tous les immigrants ça ils utilisent même parcours ou bien même moyen que les immigrants latins ont utilisé pour qu'ils soient capables de venir rentrer et venir demander asile aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est les en pile qu'on est là, les dépasser. Et c'est un problème que les États-Unis ça fait face. Donc voilà, c'est objectif et décret présidentiel ça que le président Biden prend
pour lui justement limiter quand c'est mon capitaine demandé et contrôler quand c'est mon capitaine demandé asile sur frontière. Cependant, décret ça n'est pas affecté mon cap prend rendez-vous. C'est-à-dire que si vous même vous trouvez au Mexique que vous voulez prendre rendez-vous pour venir demander asile, pas de problème. Ou tout simplement c'est encourager pour appliquer ça, pour utiliser CBP1 non, pour qu'on vienne demander asile. Ça dit y a pas encourage pour venir pour qu'on tout vienne pour détruire ou venir ou du venir demander asile ou bien essayer passer en bas fil, essayer traverser de l'eau pour entrer venir demander asile. Donc il dit que non, c'est pour utiliser CBP1 non qui normalement principe actuellement que y a accepté dans CBP1 non plus environ 115 000 monde par jour. Donc ça veut dire que au capable parmi monde ça qui 9 fois d'entrée et ben l'oral dans CBP on là ou télécharger li et puis ou appliquer pour concorde. Donc c'est l'autre objectif que l'administration voulait pour mon utiliser CBP on là. L'autre objectif encore c'est que l'administration encourage tout le monde qui fait partie 10 pays qui en Amérique latine avec m'appeler Amérique latine donc Caraïbes là et puis Amérique du Sud donc Venezuela, Colombie par exemple. Eh bien, il encourage les citoyens de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Haïti, Cuba, et on était parlé du Venezuela déjà. Eh bien, 10 pays ça, eux-mêmes, ils ont leur statut particulier. Ils ont l'autre moyen de venir aux États-Unis. Ils ont venir directement, ça veut dire que, chercher au monde aux États-Unis qui pour patronner eux, et font application pour eux, ça veut dire pour venir dans le programme Biden, dans le programme humanitaire que l'administration met sous pied depuis, 5 janvier 2023. Le programme ça jusqu'à présent a marché, il continue à marcher toujours. Donc tout le monde qui voulait venir aux États-Unis, sous ceci dans 10 pays, quel que soit côté sur la planète là, depuis ces citoyens 10 pays, et bien au capable de jouer le monde aux États-Unis qui partenaire, qui voulait financièrement partenaire, et bien nous avons de fabrication pour encourager ça. Là, lui-même, il dit, on ne peut pas venir par la route. Si vous venez par avion et vous débarquez dans une porte d'entrée aérien. États-Unis, côté que vous venez continuer le processus et le programme ça a libre droit pour être dans le pays pendant 2 ans et côté vous capable de travailler, vous capable de construire sa sécurité, vous capable d'aller à l'école, vous capable d'apprendre l'anglais et puis vous capable de faire pendant 2 ans ça et bon, après 2 ans, personne ne va comprendre ça va passer. Peut-être vous même vous capable de changer de statut ou bien l'autre va capable de vivre tout qui va permettre d'être dans le pays plus. Donc, sous ça, et puis le programme dans tout, il n'est pas affecté tout mineur. Mineur, c'est-à-dire que le décret que le présidentiel prend pour contrôler et pour limiter le flot et les gens qui ont demandé asile sur la frontière, eh bien, le décret ça tout, il n'est pas affecté Timounio. Si mineur, hein, pas mineur, monde qui a moins de 18 ans, eh bien, il n'est pas affecté. Ça veut dire que tout petit monde qui a moins de 18 ans, qui est arrivé sur la frontière sans pas accompagner avec famille, eh bien, l'administration a pris en charge, eh bien, a pris en considération et a fait ça que de faire, par exemple, dans une maison familiale, vos côté que certainement, pour aller en attendant que capable réunion avec les familles. Voilà, c'est ça de qui a fait. Et puis, dans l'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, eh bien, on a dit que le premier ministre Ariel et le premier ministre Garry Conille, eh bien, il recevoir un document qui désigne ou qui nomme comme premier ministre. Ça a été fait dans le cérémonie tout court dans la villa d'accueil, et lundi 3 juin. Et Kounia, bon, premier ministre Kounia, pas le travail Kounia, qui c'est une installation qui vous fait ensuite, dans le travail, qui parle avec Kounia avec, conseil présidentiel là, justement, pour capable former un nouveau gouvernement. Et nouveau gouvernement, ça, que promet qu'il y ait un gouvernement élargi, qui était certainement bien représentant toute couche de société, de tout secteur de la société à représenter. En plus de ça, tout gagne tout, et parti politique qui gagne représentant en dedans, conseil et présidentiel transition. Donc, c'est cela qui travaille là. Et il y a plusieurs secteurs qu'on a, qui a écrit, et pour le ministre, pour le dire, pas oublier, par exemple, pas oublier pour pas oublier dans le calendrier, et puis dans le calendrier, pas oublier dans la programmation à faire. Mais pour mettre que ce n'est pas un bail qui n'est pas facile du tout, il dit, mon conseil, attendez à ce que, capable de gagner des divergences, mais quand même, il a fait tout ça capable pour satisfaire tout le monde, et que les gens ont mission, et mission, c'est juste mener transition à bon port. Voilà, c'est ça, mais nous, tout ce qu'il a demandé, et puis il y a une condition que, parce que le premier ministre, il fait une visite. Dans des lieux, ils te font visiter quelques zones dans la capitale là, eh bien, ils constatent avec problème de situation ça. Et ils seulement gagnent actuellement une nommé un porte-parole. Donc, c'est là nous y est, et c'est là que la situation est présentée.
Eh bien, bon, n'attendons pour nous qu'il est pour ne pas mettre sur pied le gouvernement. Tout secteur, en fait, jusqu'à présent, pas grand opposition. Tout le monde, pas le monde qui campe, il dit non, pas d'accord avec elle, mais tout le monde dit, il y a un bénéfice du doute, il a été abgardé plus loin. Ça n'a pas fait, par exemple, en 2010 ou bien 2011, elle était premier ministre sous l'administration Michel Matélia. Eh bien, j'espère qu'elle pourra faire mieux parce que j'espère que, par exemple, il a plus d'expérience, etc., sur la question si là et sur la politique, même si c'est dans le pays. Même chaque fois que me tendez monde qui pratiquement a décidé dans nos pays a yo bay de grande importance avec les ambassadeurs d'en discuter sur ça qu'il y a avec question sécurité avec justice en dans pays a moi même moi elle semblait tête coupée avec bluff et mascarade pour continuer faire temps passer pour rendre que situation vienne plus difficile de situation. Moi m'a dit que je dis en désir venait c'est que hey, est-ce que rencontre ça yo qu'a fait là est-ce qu'ensemble ça qu'a fait là yo pour montrer vraiment que problème qui est là situation qui est là li pral résoudre et il doit résoudre j'aime toujours dire parce que on essaie de comprendre on regarde très bien gouvernement ça pral monter en et bon côté conseil présidentiel là li pas doué échouer OK li pas doué échouer et c'est une obligation que ni gare koni et ni m'ap conseil yo bay tête yo li pas doué échouer OK et ben kounya qui ça pral poser qui ça doit poser pour permettre que conseil peut pas échouer pendant période ça parce que les n'a regardé si temps pas en pile l'évangile et si yon gen volonté vraiment pour ta résoudre ça gain là c'est depuis kounya là pour commencer mon message c'est depuis kounya pour yon commencer montrer que yon vinn régler un bagage sérieux parce que sinon yo pral toujours été comme si conseil la pral fait si comme si y a toujours été dans face d'annonce y a pas annoncé bien que entendez que yo pral mettre quand yo pral mettre porte-parole qui pral permettre que le porte-parole message et c'est payant non pas comme si tout conseil a pu parler mais est-ce que kounya tout nous pral mettre un porte-parole qui seulement pral là pour jouir l'argent pour le toucher pour le jouer ensemble des privilèges ou dis-moi ce que nous pral prendre ces résultats qu'on besoin c'est pas pour, et pas job nous besoin pour créer mais nous besoin résultat et pas job nous besoin pour créer non mais nous besoin résultat qui pour permettre que les populations haïtiennes qui vivent en Haïti en un moment que les mêmes les capables fonctionner comme ça doit et haïtiens qui dans diaspora capable rentrer en Haïti ou dis-moi ce que ça qui gagne bien ça qui gagne intérêt en Haïti capable récupérer bien yo capable continuer faire business en Haïti parce que c'est ça va galérer parce que je dis hein, est-ce que nous pour continuer mettre pays dans salé là les que m'a dit clair et me jour dit c'est pas tout haïtien capable déplacer et c'est pas tout haïtien tout cap qui possibilité pour déplacer et c'est pas tout haïtien tout qui gain volonté pour déplacer donc je dis hein meilleur ça qui pour fait c'est créer conditions pour haïtien capable vivre en Haïti meilleur ça pour régler c'est permettre que haïtien capable vivre en Haïti et créer bon genre conditions créer bon genre conditions qui permettre que chaque haïtien depuis que ou pas dans connivence depuis que ou pas dans cocodai depuis que ou pas gain intérêt ou dans insécurité qui gain là parce que pas oublier insécurité qui est là aujourd'hui gain ensemble des secteurs gain ensemble de groupes qui des insécurité ensemble secteur ensemble de groupes qui des insécurité et bien depuis que on ca identifier secteur ça yo groupe ça yo et si ou pas décider changer pour que yo pas continue à contribuer dans l'insécurité qui est là, dans la violence qui est là, dans la misère qui est là, nous capables d'avancer. Nous capables d'avancer. Parce que nous ne voulons pas que le problème n'a pas le résoudre pour 2-3 ans. Nous ne voulons pas que le problème n'a pas le résoudre pour 4-6 ans. Non. Nous avons besoin que le problème n'a le résoudre définitif. Mais je ne vais pas dire son bon matin, tout l'a résoudre tout, non? M'bat son bon matin la résoudre tout non parce que c'est pas un bon matin que n'avise la vivre là c'est tout yon construction là qu'il fait pour nous pour mettre dans ça ni là yon armé jeune garçon yon crasé agriculture nous yon préfère à faire pour du sortir à l'étranger pour vivre en Haïti ça lui dit nèg yo arrangé yo nèg yo mettez ensemble
pour yon capable de mettre Haïti dans sa lè là. Mais qu'on y a nous-mêmes, peuple haïtien, nous-mêmes, secteur, groupe, classe qui conscient, et qui dit que ça gagne la priorité comme ça, qui dit que ça qui a passé là, il est obligé de changer, eh bien, en conscient, et en faire coup d'un coup de là, en coller ses épaules, en permettre que, eh bien, nous commençons à poser premier roche là. En commençant à poser premier roche là, qu'a montré que qu'on vend espoir qu'a vini. Qu'on vend espoir qu'a vini. Et vend espoir ça, toujours dit le possible. Vend espoir ça, toujours dit que li réel zamete en autre. Volonté pour gagner. Il suffit que gen volonté pour nous capables résoudre li. Parce que tout pays qui l'a jodi, qui vient sa yoye, yop prend temps pour construire ça, yop prend temps pour permettre que le pays avance, yop prend temps pour rendre que le pays lui-même li capable de progresser comme ça doit. Et je dis à moi, chaque haïtien, je dis à moi que nous devons comprendre, nous devons garder dans quelle dimension, dans la façon que nous sommes capables de porter contribution par nous, nous sommes capables de jouer partie sur nous dans notre haïtien, dans le nouvel haïtien. Et je dis toujours clairement que l'autre haïtien, nouvel haïtien, l'impossible est le réel. L'impossible est le réel. Nous avons besoin de monde qui a volonté. Nous avons besoin de monde qui connaît, qui, comme si crise qui est là, ça qui est là, que yo conscient de lui et yo dit que yo même, mais dans qui façon, mais dans qui niveau, il a porté contribution pa yo. Mais dans qui façon, mais dans qui niveau, yo pral jouer partition pa yo. Parce que je dis, hein, on met dim sauve li. Je dis, hein, on met gade sauve li. Haïti pa gen droit péri. Haïti pa dwe péri. Oui. Haïti pa gen droit péri et Haïti pa dwe péri. Et ça fait un besoin, engagement, moi-même, désir, ou même cap gadem là. Et chaque haïtien, qui yon même vle ou l'autre Haïti, qui yon même kwen dans l'autre Haïti, mais nous avons obligation pour nous engager nous. Nous avons obligation pour que nous retirions Haïti dans sa lila. Nous avons obligation pour mettre un plan de développement pour Haïti. Kampé. Mettez un plan de développement pour Haïti. Mettez un plan de changement pour Haïti. Parce que Haïti pas carité comme ça. Haïti pas de carité comme ça. Mais volonté à fond gain d'abord. Volonté humaine. Volonté pour nous dire que ça pas doit être comme ça. Situation doit résoudre. Problème doit résoudre. Mais volonté ça fond gain. Volonté ça fond manifester. Et fond manifester et fond gain pour de bon. Et je dis à moi, chaque grand haïtien. Je dis à moi que ce n'est pas étranger qui a vint changer Haïti pour nous. Et si nous n'avons pas de volonté pour nous changer, même lui, même tout, il n'a jamais été pour nous changer avec vous. Et en plus tout, nous pas qu'à quitter changement Haïti à son compte étranger. Lui qui a toujours voulu nous bourrer parce que nous coopération avec vous. Lui qui a toujours voulu nous bourrer. Mais ce n'est pas au cap vin dicter nous ça ouvre. Et moi, c'est jeudi, il faut commencer à comprendre que changement haïtien, l'autre haïtien, c'est haïtien qui vous engager ou la donne. Changement Haïti, l'autre haïtien, c'est haïtien qui vous coller les épaules la donne. Pourquoi que nous capables de retirer Haïti dans sa lila? Pourquoi que Haïti nous en li capable sortir dans sa lila? Et oui, li capable sortir dans sa lila. Oui, li capable sortir. Et moi, quoi que je dis, il faut nous prendre engagement ça. Je dis, à quoi que, j'aime dire, est-ce que vous avez connu, monsieur, vin pour le capable de résoudre ça bien là? Est-ce que le vin pour le capable seulement exécuter ça n'est à quoi 3 avril et que ensemble secteur aussi, hein? N'a posé question. Mais je dis, à nous dit, il y a urgence dans l'urgence. Et urgence qui existe et qui gagne, hein? C'est une urgence pour montrer que, nous devons voir un signal. Nous devons penser à résoudre, à poser action contre bandit armé pour question insécurité. Parce que insécurité, c'est le premier sans bien public qui existe. Et il faut regarder dans quelle dimension que nous capable résoudre des événements. Bien sûr, nous avons mission évaluation pays Kenya qui estime que la police nationale d'Haïti a participé à connaître une situation de faiblesse morale beaucoup des policiers. Ils estiment que les policiers ont dû au moins recycler. Et ils regardent tout et baisse significative que les policiers connaissent
dans toute dernière année qui pratiquement porter en pile inquiétude et pour le policier ta gagne capacité pour capable résoudre problème insécurité pour permettre que la paix publique garantie dans tout dernier moment. L'ensemble statistique que regardez les personnes selon nombre policier yo fait quoi et qui en Haïti qui a diminué qui pratiquement atteint dans un niveau 13200 policiers dans année 2023 et dans année avant c'était 14861 qui était gagné dans année avant yo mais malheureusement c'est baisse totale ou t'a dit dans une seule année il y a plus passé 1000 policiers qui sans doute quitté pays ou bien qui abandonné et poste comme policier sans côté cela qui mourir. Nous avons conseil présidentiel transition t'es entendre pour tes côté suggestion et qui capable permettre au moins que la police augmente des chiffres que au gain qui BCA à au moins 10 000 policiers qui évalué avec 40% et des potentiels ça qui pratiquement arrivé dans la corruption en dedans la police. Et regardez question BSA qui gagne dans la police, c'est un facteur qui la cause que situation et migration en joué rôle très important et très critique dans la population haïtienne qui a connu des situations qui extrêmement difficiles. Yo bay aperçu sur statistiques que essayé d'autre faire sur diminution ensemble effectif que PNH a pratiquement entendu que yo gen là et au fait quoi qu'il est vraiment évident à partir des statistiques ça pour nous arriver comprendre qui ça qui a passé en dedans institution ça. Yo regardez dans année 2020 les situations. Yo fait quoi que institution ça a te gagné 14997 policiers là-dedans. 2021, il était connait 15497 policiers. Elle dit 2021, il était faut monter. Il était faut monter. 2022, il connaît 14861 policiers. En 2023, il pratiquement connaît un effectif 13196 policiers. Ça il pratiquement est reflété totalement ça qui gagne une tendance inquiétante qui permet que nous vraiment inquiéter suite avec effectif ça qui a diminué près de 2300 policiers. Et pratiquement dans la troisième année suivant les situations. Je vais essayer de regarder ça pour voir à quel niveau, que au moins, que l'autorité au plus haut niveau, tu as pensé avec et encadrement pour les policiers, pour permettre que les policiers sentent dans la condition pour arrêter le travail. Et regarder sous les États-Unis, sous l'administration Biden, qui entend pour introduire programme d'immigration qui pratiquement gardé en pile dans les policiers et en pile haïtien parti, mais en pile dans les policiers qui pratiquement. Et parti à la programme Biden nan, et qu'on sa tout gena yo qui gen email nan men yo c'est tout simplement autorisation voyage qui a prétend ça veut dire pour année 2024 ta, et quantité policier qui sans doute a quitté institution ça li k'ap gen gros conséquences sous la vie peuple haïtien qui pratiquement te déjà pas gen quantité policier qui te pour ba ou sécurité mette sous tout problème que yo gen et ça li pral permettre et il paraît très difficile dans la mission que vous pratiquement gagnez pour garantir la sécurité, la vie à bien et population pour arriver à faire job comme ça doit. Suite avec violence qui a persisté en dedans pays et qui entraîne la mort plusieurs policiers. Et en plus fois, façon que les policiers ont mouru, qui paraît suivi des recommandements de la police et qui vient mettre en pile tout et dans révocation qui gagne pour faute professionnelle ou bien corruption qui permet.